J'ai envie de te dire si le gars est là. Oh putain! Vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Hello Nightboard. Hello Nightboard, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est un jeu avec un petit voisinage, plutôt voisinage, oui ça c'est bien, tu connais bien ton intro, sympathique, et on a notre voisin d'en face quand même qui est un peu louche, donc on va aller voir ce qui va se passer chez lui. Donc je vous propose de commencer maintenant. Alors pour ceux qui veulent savoir, je suis sur l'alpha 1, pas la 2, pas la 3, pas la 4 qui sont sortis récemment, parce que moi je l'ai téléchargé en démo gratos. Pour avoir accès aux autres alpha, il faut télécharger le... il faut acheter le jeu en fait, le préco. Donc ça, je suppose que c'est le mec un peu louche. On remarquera qu'il n'y a aucun conducteur dans la bagnole. Donc ça doit être Dumblebee, ma caisse. Je pense que c'est ça, non? Attendez, j'ai passé en... voilà. Ouais, ça doit être ça. Donc... hop, mettre la tête, regarder à l'intérieur. D'accord. Bon. Ça, ça doit être notre voisin louche. Ça, ça doit être chez lui, je pense. Alors, on va aller voir ça. Bon, on va activer l'électricité. Bon, déjà, moi, personnellement, j'active pas l'électricité comme ça. Mais bon. Chacun son délire, tu me diras. Voilà. On pick up la petite clé. Voilà. Il faut savoir pour info que c'est la quatrième fois que je règle le début de la vidéo. Parce que j'ai eu bon nombre de problèmes avec le jeu. Qui m'ont saoulé. Hop, on va faire une pierre deux coups. Voilà, j'ai eu bon nombre de problèmes avec le jeu. Ça a été chiant. Bah, maintenant, je pense que c'est réglé, j'espère. Si c'est pas réglé, cette vidéo ne verra alors jamais le jour. Alors, on met tout à l'intérieur. Tic, 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 tic. On balance. Hop. Oh. Tac. Voilà. Pour annoncer la couleur du jeu. Ah, donc là, ça y est, on est chez notre voisin. Enfin, on voit ce qui se passe chez lui, du coup. Donc le mec sort. Ah, il y a la route derrière. Putain, il y a carrément le pneu qui est pas... il y a carrément le pneu qui a fait coucou. Est-ce que je peux venir? Comment ça se passe? J'ai le droit? Je peux passer ou pas? Bon. Donc on est en pleine journée. Tout est nickel. Écoute, là, j'ai bien envie de prendre les jumelles quand même. Il est où? Ah, il y en a des pièces, sans déconner. Je me demandais si je pourrais pas péter toutes les fenêtres. Et alors par contre, c'est moi où il y a une bagnole, enfin une maison tous les... oh la vache! Et elles sont en pente et tout, dis donc, c'est rude hein, là-bas. Attends, on va couper par là. Ça, ça va le faire venir, cette connerie. Ça sert à quoi, ça? J'ai envie de te dire si le gars est là. Oh putain! Il y a le voisin, il y a Gilbert, barrez-vous! Il y a Gilbert, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous! Oh, Gilbert! Pourquoi ça... il va pas rentrer chez moi quand même? Attends, le mec il a fait tout le tour. Qu'est-ce qu'il a à la main? What the fuck? Qu'est-ce qu'il fout? Tu vas me dire que le mec peut rentrer chez moi? T'as aucun moyen d'escape alors dans ce jeu. Ça va Gilbert? Bah attends, il est complètement bugué le gars. Et comment je passe moi? Non mais... eh, ce jeu... non, eh, sans déconner les mecs.
Je crois que je porte la... C'est un peu... Là, ce qui vient de se passer, c'est pas possible. Je vous explique le topo. Normalement, il est... le mec est censé s'arrêter devant. Il s'arrête au bout d'un moment, en fait. Parce que, bah voilà, il s'arrête pour te laisser la possibilité de t'escape. Là, le mec, il est à ma porte. Il est chez moi. Alors, je ne mens pas, Anto. Tu es à ma gauche. Anto, il est chez moi. Il y a clairement un problème avec le jeu, là. Ou avec moi. Il est venu avec son balai. Il m'a jeté le sauce gros dégueulasse chez moi et je ne peux plus, je n'ai plus aucun moyen de sortir. Mais est-ce que j'ai fait? J'ai pété une de mes fenêtres, mais je crois que je ne peux pas sortir du coup. Ah oui, je ne peux pas passer par ma... Bon écoutez, on va... je pense que les cartons c'était pas pour rien. On va péter le reste, hein. Voilà. Le mec... Il est accessoirement en train de récurer chez lui. Et je te l'ai mis en colère. Ah, ça y est. Je me demande s'il va venir. Attends, je vais essayer un truc. Je vais le bloquer. Du coup, est-ce qu'il va venir ou pas? Bah, écoutez, oh, je vais déjà me balader par là. Ah bah, c'était là où il y avait le saut. Je peux l'ouvrir la porte de garage? Ah, open. J'open tout. Ça fait un bruit bizarre. Un marteau. La caisse à outils, on peut l'ouvrir? Moi, je prends tout. Hein. Non, la caisse à outils, je m'en fous. La vache, ça a l'air d'être grand. Bon, on va faire étape par étape. Pour le moment, il est encore coincé dedans. Bon, alors. Ça, c'est quoi? Ah, c'est la porte qu'on voyait par la fenêtre. C'était la porte qu'on voyait. Alors, attendez. Attends, je peux use ou pas sur... Oh! Pas s'emmerder. Ça, je peux pas le péter. Ah ouais, forcément, là. Là, il faut une clé, comme par hasard. Ah, j'ouvre. Ah, là, c'est fermé aussi. C'est lock. Pour le moment, c'est toujours fermé. Oh, toutes les peaux de banane. Ok. Je regarde un peu, hein. Je fais le tour. Tranquille. Ah bah là, je réaccède à la commode. Est-ce qu'il y a un truc dans la commode? Le mec, il a quand même des trucs chelous. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Ah bah, on a encore un marteau. Non. C'est quand même pas de peau, sans déconner, hein, dans ce jeu. Bon bah là, je sais pas ce qu'il était en train de réparer. Ah, il y a un étage. Oh! C'est quoi ce bordel là? Instruction. Attends, il y a un cadavre en dessous? Instruction. Alors, une cloche. Oh! C'est pour voir quand le mec il est mort en fait, le coup de la cloche avec la ficelle. Ah bah attendez, il y a ça. Oh! C'est un requin! Ah bah tiens, la cloche! C'était où la pièce? Je sais plus. Aidez-moi. C'était là. Tiens. Attends. Attendez, monsieur, on va vous sauver! What? Attendez, madame, alors, on va vous sauver! Voilà. Je vais vous prendre avec moi, sous mon aile. Attends, il est sorti ou pas l'autre? Et le mec, il est... Mais t'imagines dans la vraie vie? Le mec, il t'en a pour 10 ans, quoi. Bon, je vais la poser là, la vieille, parce que... Tac. Bon, là, c'est fermé.
Quoi ? Un jeu de tir. Alors, rifle range. Donc tu mets le petit flingue, t'appuies sur le bouton, bang bang. Ah, et ça, ça doit être ce que tu gagnes. Oh, la clé ! Tu l'as comment, le flingue ? La clé ! Bon, une salle de classe. 2000 years later. 10 ans plus tard. Voilà. Oh, le bang bang. Le fusil bang bang. Yes. Donc. Oups. Oh non, là, j'ai fait le con. Ah! Yeah! Comment on fait? Bing bing. Donc ça, tu le poses, t'appuies sur le bouton, et là, bing bing. Bah oui, bah... Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, bah écoute, en attendant, on va aller visiter l'autre pièce. Qui me paraissait bien étrange. Ouais, encore des jumelles. Ah, tu peux faire tomber les cadres? Ah, ça c'est bon à savoir, ça. Ah. Bah dis donc, il mange comme un gouinf. Ah bah, puis il range pas, hein, penses-tu? On peut l'allumer la télé? Oh. Il y a combien de pièces sans déconner dans le jeu? Oh, oh là là. Oh. Ah, c'est un truc pour crocheter les portes, ça. Non, mince, reviens. Mais non. Reviens, toi. Encore une salle de bain. What? Mais là, j'ai l'impression qu'il marche pas, l'ascenseur. C'est pas grave. Ah. Attends, on va utiliser notre appareil magique. On s'accroche rien du tout. Ok. Bon, là, on l'a fait. Là, on l'a fait. Là, c'est la salle de prof. Ah, mais là, on est bloqué, en fait. Ah, bah, je pense que, voilà, ça, elle se termine là, l'alpha, en fait. L'alpha 1, du moins. Ah, mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas, parce que vu que j'ai coupé l'électricité, bah, il veut pas monter. Et ça, ça servait à quoi ? Où est-ce qu'on avait de l'eau? On dirait une chaudière ou un truc comme... Là? Quelque chose? Non. Et le mec, c'est un gros dégueulasse. Trois pommes. Il graille pas beaucoup, le monsieur. Hein. Il mange pas grand-chose. Hein. Hop. Y'a rien, rien, rien. Y'a rien. Je sais pas comment expliquer, y'a rien. Attends, on va aller voir. Ah mais merde, d'accord. Mais en fait, sans le vouloir, j'avais contourné le truc. Ah bon, bah non, bah je vais réactiver. Attendez, j'y retourne. Enfin, pour vous, tout est cadencé. Pour moi, il y a plusieurs minutes. Mais pour vous, tout est cadencé, bien évidemment. Ah, t'es coincé, mon salaud, hein, tititit. Mais peut-être, mais attends, ça va me faire tit, peut-être parce que j'ai coupé l'électricité. Pour ça, du coup, que ça va pas. Non? C'est peut-être à cause de ça. Et vu qu'il n'y a pas d'électricité, bah du coup, l'ascenseur, il marche pas. Il n'y a rien qui marche. Déjà, là, on a de la lumière. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure. Bah ouais, je suis bête. Regarde, il n'y a pas d'électricité, déjà. Ah. Tac. Ah, yeah! VF4! Oh! La clé! Yes! Yes! Ouais! What the fuck? Oh, c'est quoi ce bordel? Ça sent les trucs chelous encore. Des poubelles. Bon, alors, le mec, déjà, il avait quelqu'un d'enterré dans le...
encore une autre pièce. Oh, attends, ça c'est pas un truc que je peux péter, genre... Yes! Oh, c'est nickel. Qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux? Oh là là, si c'est pas beau ça. Oh, on aurait dû m'appeler le génie dans une vie antérieure. Ah, oh, je vous jure. Ça se pète, non? Eh ben voilà. Ça mène où, ça? What? Attends, le mec, il est pas net, net. Hein. Si on fait le récapitulatif des trucs, le mec, il est pas net du tout. Oh. C'est une femme avec un enfant. Mais attends, c'est pas lui, ça? C'est pas genre lui? Et ça se trouve, il avait un enfant et une fille qui sont décédés. Ce qui expliquerait pourquoi il met tout le temps des mannequins de femmes. Et là, pourquoi il y a un berceau. Ah, il y a une clé en dessous. Merde, excusez-moi. Hop. Ça, c'est quoi? Peluche plus... Attends, je vais la récupérer, la peluche, ça peut nous servir. Ah ouais, mais je commence à avoir trop de trucs, là. Ça, je pense que c'est bon. Ça, je la garde pour crocheter des portes, ça peut servir. Et la peluche plus feu égale clé. Merde. Ah bah ouais, mais du coup... attends. C'est fermé? Attends. Là, y a rien qui marche. Ok. Ah si, c'est bon. Oh là! Ah bah oui, mais là, t'es... Ok. Le feu, le feu, le feu! Je disais machin plus feu égale clé. En fait, j'ai l'impression que c'est buggé. Ça marche pas. Bon bah tant pis. Bon bah on va aller foutre la clé. Je pense que ça doit être elle. Bon bah on va sortir, on va s'échapper. Même si franchement c'est pas méchant. Mais j'ai pas envie de m'échapper étant donné qu'il y a rien eu. Il a même pas tenté de m'attaquer. Enfin si, il a tenté, il est rentré chez moi. Et du coup j'ai mis une chaise devant et j'ai fait hé hé. Nope. Bon bah, on va... Allez, on ouvre. Ready, go! C'est une blague? Je me suis farcie. Des minutes, et des minutes, et des minutes, et des minutes de jeu. Et des casse-têtes sur pattes qui vous ont été épargnés. Parce que c'était long. Pour qu'au final, quand je déverrouille la porte et je me dis ça y est, je vais enfin échapper, même si il était quand même coincé chez moi, le mec, il fait non, 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 eh oh, tu fermes la porte et puis je t'enterre, d'accord? Tu vas prendre la place de Ginette qui était dans le cercueil et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Donc c'est comme ça que termine le jeu. Après oui, c'est une alpha. Donc le jeu, ce n'est absolument pas la version définitive sur ce que vous avez vu. Puisque les autres alphas, l'alpha 2, 3 et 4, contiennent des nouveaux niveaux qu'il n'y a pas là. Là, c'était le début du jeu. Donc du coup, je vais vous donner mon avis. Je vais faire le petit cadencé des explications. Donc du coup, on a pénétré chez notre voisin. Parce qu'il y avait quand même des trucs un peu louches. Permettez-moi, ça sentait un petit peu la merde. Donc, du coup, on pénètre chez lui. Le mec nous voit. Ni une ni deux, il nous court après. Moi, je me dis, ah, je suis tranquille, c'est bon, je suis rentré dans ma maison. Ni une ni deux, il rentre dans ma maison. Là, totalement buggé. J'avais beau le regarder droit dans les yeux, machin. Il en avait rien à foutre, le truc. Buggé de chez buggé. Francis. Donc, du coup, enfin, Gilbert, pardon. Donc, du coup, j'ai fermé la porte. Je suis passée par la fenêtre. J'ai mis la chaise devant, au cas où. Hein, et j'ai visité la maison. Donc, on a des trucs très, très louches chez ce petit monsieur. Dont, clairement, un cercueil. Quelqu'un qui a été enterré au deuxième. Donc, ça va comprendre. Après, il y avait aussi, ce qui était bizarre aussi, c'était la chambre avec la femme, enfin le mannequin et la poupée.
Donc je pense vraiment qu'il a une femme et un enfant et qu'ils sont décédés. Du coup, le mec est totalement schizophrène en fait. Je pense que c'est un gros schizophrène, le gars. Et par contre, le coup de la bagnole avec l'accident, ça, j'ai toujours pas compris. Bon, et après, moult, recherche, du coup, et plusieurs minutes. J'ai regardé un petit peu concernant la peluche. Voir ce qui était possible ou pas, parce que j'ai l'impression que c'était totalement buggé, que je pouvais pas y accéder. Donc en fait, pour la peluche, apparemment c'est buggé. Non, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut la foutre au feu. Le seul moyen de la foutre au feu, c'est soit, admettons, de la mettre au micro-ondes, mais bon, c'est pas des flammes techniquement. La mettre sur le gaz, mais tu peux pas allumer le gaz. Ou sinon, la mettre là où je l'ai mis, justement, dans la chaudière, mais elle ne brûle pas. Donc en fait, apparemment, c'est juste buggé. Il devait se passer quelque chose, mais c'est totalement buggé. Et je me suis renseignée, du coup, j'ai regardé des vidéos dessus, et il n'y a pas d'autres fins possibles. En fait, la clé que j'avais, celle que j'ai eue dans le jeu, quand j'ai dit, oh, je peux crocheter une porte, et ben si j'avais eu celle-là, je pouvais aussi crocheter la porte du bas, en fait. Et j'aurais pu sortir, et c'était exactement la même interaction, je me faisais attraper tout pareil à la fin. Concernant bah, les deux clés que j'ai eues, en fait, c'est juste deux façons différentes d'avoir la clé. Tu pouvais l'avoir via le bang-bang et quand tu tirais, ou sinon, tu pouvais l'avoir justement dans le berceau. Donc, dites-moi dans les commentaires déjà si vous voulez que je fasse les autres alphas. Et pour ça, il faut que je précole le jeu, du coup. J'ai bien aimé... Je vais vous mettre sur New Game, tiens, parce que comme ça, vous n'êtes pas tout seul. J'ai bien aimé le jeu. Mais, voilà. C'est comme si tu joues à un Call of Duty et que t'as pas d'armes. C'est quoi l'intérêt? Voilà, donc moi, je jouais à Hello Nightbird, mais sans Gilbert. C'est quoi l'intérêt? Voilà. Donc du coup, je suis un petit peu déçue qu'il était, enfin, qu'il soit buggé. Je m'y attendais de toute façon parce que j'avais eu plusieurs bugs. Mais c'était pas des bugs comme ça en fait. C'était des bugs de lancement de jeu ou des certaines interactions qui ne se faisaient pas quand je voulais actionner ça. En fait, ça ne fonctionnait pas. Et l'action où quand je voulais faire dodo dans le dodo, et ben du coup, ça ne fonctionnait pas non plus. Je pensais pas que Gilbert allait se coincer. On va retenter juste pour voir si Gilbert va se recoincer ou pas. Juste pour voir ça. Ok? Et puis après, je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas, vous ferez dodo, tranquillou. Tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, de toute façon. Voilà. Normalement, il va venir. Ah là, j'ai fait du bruit, hein. Ah, voilà. Allez, Gilbert. Voilà. Est-ce qu'il va venir à la maison? Ah! What? What the fuck? Franchement, je vais finir par gerber avec ce jeu. Ah! Qu'est-ce qui se passe là du coup? Ah! Ah oui, donc on est clairement sur un bug de la matrice. D'accord. Et comment ça se passe après si je fais ça? Il reste au sein de la maison? Ah oui, on est clairement sur du joli bug. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici avec Gilbert dans la chambre, qui bah, apparemment a envie d'une vie plus saine et plus calme dans ma maison. Et du coup, je vais m'occuper de sa maison et je vais rester au sein de sa maison parce qu'il veut pas rester dans la sienne. Donc je vous fais de gros bisous et du coup, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao!